Bonjour et bienvenue sur Les Loups Crochettes. Aujourd'hui, je vous présente Caramella, une poupée qui fait environ 20-22 cm de hauteur. Très, très facile à faire. Niveau débutant, aucun souci. Et comme vous avez vu sur la photo de la vidéo, il y a le logo. Donc en effet, c'est une vidéo solidaire avec donc Alexticia et Mamie Crochet. Vous savez, on a l'habitude d'en faire, donc j'en fais partie. Donc là, c'est pour soutenir une association que soutient Alexticia. C'est pour les enfants aussi. Je vous mets sous la vidéo les coordonnées de cette association. Le but, bien sûr, c'est de faire Caramella et de l'envoyer à l'association. Vous pouvez varier les couleurs, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer la photo avant de l'envoyer parce que j'ai vraiment trop envie de voir leur petite tête, ce que vous avez fait. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour la faire. Hein. Donc, trois petits cheveux qui se battent en duel. Un gilet, ben, ma foi, qui est un peu trop court parce qu'il a un bidou, la poupée, elle a un bidou un peu trop gros. Elle a trop mangé. Peut-être de chocolat. Voilà. Donc on va la faire vraiment très facile. Allez, c'est parti pour faire Caramella. Alors, pour réaliser cette poupée, il vous faudra tout ça, sachant que c'est en utilisation très très peu. On est bien d'accord. Donc, moi j'ai utilisé le côté chocolat caramel là pour le corps. Donc ça, je vais bien vous le faire voir. Ensuite, un peu de noir pour faire les yeux. Un peu de rose juste pour faire la bouche. Hein. Donc vous voyez, c'est très très peu. Moi, j'ai utilisé deux verres différents pour faire le gilet. Sachant que ce sont des laines qu'on trouve un peu partout hein, dans les boutiques. Hein. Et j'ai juste utilisé ce coton très fin pour faire les trois mèches. Voilà, mais vraiment très peu. Au niveau crochet. Alors, au niveau crochet, j'ai fait le corps avec une 3,5 et tout le reste, hein, tout ce que vous avez vu là, le jaune, le vert, tout le reste, hein, c'est en 2,5. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction des pelotes que vous avez. Au niveau du corps, c'est important que je vous le détaille puisque ça donne la taille de la peluche. Donc si votre fil est plus gros, la peluche sera plus grosse. Si le fil est plus fin, la peluche sera plus petite. On est d'accord. Hein? Donc moi j'avais, voilà, sous le coude, hein, j'avais donc la pinguine 3,5, voilà, qui se crochette en 3,5, 4, donc j'ai fait 3,5. Sachant que où sont les dimensions, voilà, c'est laine acrylique, mais vous pouvez très bien faire que avec de l'acrylique, hein. Et j'aurais voulu vous dire la longueur, et bien alors, ah, je suis passée à côté, donc la longueur c'est 50 grammes 115 mètres, et vous voyez, il m'en reste, voilà. Ça c'est la grosse pelote, vous voyez, il me reste ça, donc on utilise vraiment pas beaucoup. Et bien sûr, il vous faudra un bouton, voilà, hein, pour attacher le gilet. Donc c'est vraiment très peu de laine, hein, et que vous pouvez très bien avoir des restes, hein, voilà, des petits restes de rose, des petits restes de deux couleurs pour faire un gilet, voilà, vous vous ruinerez pas pour le faire. Donc vous aurez besoin de tout ça, un marqueur puisqu'on travaille en spirale, hein, et puis c'est tout, hein, voilà, et vos doigts pour le travailler. Et bien écoutez, on continue. Allez, on commence avec une jambe, un cercle magique. Hein. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Deux, trois, quatre, cinq,
et 6. On serre un petit peu, pas trop, hein, pour pouvoir travailler les mailles, on resserrera après. Et dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille. On ne fait pas de mailles coulées, on travaille en spirale. Donc, une, et on met le marqueur toujours à la première maille. Dans la même maille, alors ici, voilà. Dans la même maille, on refait une deuxième maille serrée. Et on fait tout le long 2 mailles serrées dans la même maille. Et on en aura 12. Donc, et ça nous fera 12. Voilà. Donc là, on a fait notre première augmentation. Là, vous pouvez serrer pour bien serrer le cintre. Ensuite, hein, on va continuer un petit peu l'augmentation en faisant une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée. Et ici, une augmentation. Une et deux. Une à la maille suivante et deux mailles serrées à la maille suivante. Et on fait ça tout le long du rang. Donc là, j'en ai fait deux. Une. Deux. Une. Voilà, on fait ça tout le long. Et voilà. À partir de là, on ne fait plus d'augmentation. On va faire une maille serrée dans chaque maille sur 10 rangs. Donc, 10 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. N'oubliez pas à chaque fois de mettre votre marqueur parce que sinon vous ne saurez plus où vous en êtes. Ça, c'est impératif. Et de compter vos rangs, bien sûr. Donc, une maille serrée dans chaque maille, vous allez voir que vous allez en fait monter, hein. On se retrouve à la fin des 10 rangs. Voilà, vous avez fait 2 jambes, enfin, 2 petits bouts. Donc il y en a une qu'on a fermé le fil et l'autre on va le garder puisqu'on va rejoindre les 2 pattes, 2 jambes. Allez, c'est parti. Donc, ici, vous allez tout simplement faire là, hop, attendez, je zoome, 2 mailles en l'air. Voilà. Une et deux. Vous prenez l'autre jambe. Alors, où vous voulez, ça vous inquiétez pas, ça sera écrasé. Hein. Donc, ici, on rentre et on fait de suite une maille serrée, parce que c'est considéré comme une maille. Hein. Et en fait, on doit faire le tour et vous devez avoir 18 mailles. Du coup, on part de là et on va faire tout simplement le tour. L'autre jambe pendouille. Voilà, et vous allez voir quand on arrive au nœud, en fait il va s'écraser tout simplement. Hein. Voilà,
Donc là, là où il y a le nœud, c'est une maille, hein, on n'oublie pas. Hop. Et ici, en fait, là vous êtes là. Et la maille suivante, elle est juste en bas. Maintenant, vous prenez le petit fil qu'il y avait pour un peu l'enfermer si vous voulez. Mais on va le rentrer, vous voyez, on le rentre dans la jambe. Et on continue. Et vous voyez que le nœud, on ne le voit plus, hein. Voilà, donc ne vous embêtez pas des fois avec le nœud quand vous faites ce genre de travaux. Il s'écrase. Voilà. Donc, je vous fais voir, hein. On arrive. Hein. Hop. Voilà. Je regarde où je suis. Donc, hop. Alors. Vous regardez bien où vous êtes. Là, j'ai fait une maille. Là, je fais ma dernière. Il faut que vous en ayez 18. Hein. Moi, je n'ai pas compté, mais il faut que vous en ayez 18. Et là où on a fait, vous voyez, nos deux mailles en l'air, et bien, en fin de compte, ici, dans les deux mailles en l'air, vous refaites hein, deux mailles serrées dans les deux mailles en l'air qu'on a fait. Voilà. Donc ça fait 18 plus les deux. Et là, vous allez commencer à refaire les 18 mailles. Pardon. Et on se retrouve ici à la fin. Allez, c'est parti. Voilà. En ayant fait le tour, donc ça vous fait maintenant un total de 38. 18 ici, 18 ici et les deux du milieu. Et après, ça ne fera qu'un seul bloc. Maintenant, le rang suivant. Alors moi, j'y mets un petit marqueur pour me rappeler la première maille. Vous voyez, quand on regarde là, des fois, ça peut cafouiller un tout petit peu. Ça, c'est ma première maille de ma jambe. De temps en temps, mettez un repère pour vous aider, hein, si besoin. Donc là, tout simplement, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. 7 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on rentre dans les deux mailles. Hein. Là, on est de l'autre côté. Donc ça fait 1, 2, 3. Alors, pensez à mettre le début du rang. On travaille toujours en spirale. Donc là, c'était, vous voyez, les 2, 1, 2. Voilà, mon début de rang, il est ici, hein. Donc là, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7 et on fait une augmentation ici. Deux mailles serrées dans la même maille. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Donc on fait ça tout le long et on suit. Maintenant c'est qu'un seul bloc hein, et on fait le tour. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Maintenant, on va faire 14 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. C'est-à-dire qu'on va commencer le côté du ventre, hein, le bidou. Voilà. Donc vous me faites 14 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Allez, bon, on se retrouve à la fin de tout ça. Maintenant que tous les rangs sont finis, on va attaquer les diminutions et penser à rembourrer aussi au fur et à mesure. Hein. Donc on va faire 7 mailles serrées et une diminution. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rappelle pour ceux qui débutent la diminution en maille serrée, on rentre dans la boucle, on ressort, on prend son fil,
et on a une boucle sur le crochet. On va dans la maille suivante, on rentre, on prend son fil, on ressort. Et là, on a 2 plus celle qui existait déjà, 3. Et on fait les 3 boucles en même temps. Et on appelle ça une diminution. Donc, vous allez faire 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, jusqu'à faire le tour. Et on se retrouve pour maintenant, la suite. On va faire un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Le rang suivant, on va faire encore des diminutions, hein, jusqu'à ce qu'on ait presque fini le corps. Hein. Voilà. Donc, une maille serrée dans chaque maille, un rang. On se retrouve de suite, hein, là, dans 2 secondes. C'est parti pour faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Voilà. Donc, 6 mailles serrées et une diminution. 6 mailles serrées et une diminution. Quand vous avez fini ce rang-là, vous faites un rang de mailles serrées toutes seules dans chaque maille. D'accord ? Donc, 6 mailles serrées, une diminution, nanana. Le rang suivant, une maille serrée dans chaque maille, juste un rang. Vous voyez, on alterne à chaque fois une diminution et un rang normal. Voilà. Donc, c'est parti, on se retrouve à la fin du deuxième rang. Maintenant, on fait 5 mailles serrées toutes seules. Donc, là, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Allez. Vous connaissez la suite, hein? On continue 5 mailles serrées, une diminution, un rang en faisant une maille serrée toute seule. Et on se retrouve toujours là pour à la fin du deuxième rang. Hein? Ça va être notre petite routine. Ben, je pense que vous connaissez la suite, hein? On passe à 4. Hein? Donc 4 mailles serrées. Et une diminution. Voilà notre routine. Allez, donc on continue et pensez à me faire le deuxième rang avec une maille serrée dans chaque maille. Hein? Voilà, nos 2 rangs et on se retrouve pour la suite et j'imagine que vous avez déjà deviné ce qu'on va faire. Mais bon, allez, on le fait quand même ensemble. Pensez à rembourrer, hein, maintenant parce que ça se rétrécit. Pensez à rembourrer le ventre, sachant que les jambes ont été faites. Hein? Donc là, maintenant, on passe à 3. 1, 2, 3 mailles serrées toutes seules et une diminution. Le rang suivant, une maille serrée toute seule et on se retrouve toujours au même endroit. Pour la suite. Maintenant, on fait 2 mailles serrées et une diminution. Hop. Et hop. Voilà. Vous me faites ce rang-là. 2 mailles serrées, une diminution, on se retrouve pour ce rang-là. Les 2 rangs qui vont suivre vont être un peu particuliers. C'est pour éviter de coudre la tête. Parce qu'on peut très bien fermer là, faire la tête et après faire la couture. N'étant pas spécialiste de la couture, et je sais que parmi vous non plus, on va éviter une couture. Hein? Voilà. Donc, vous me faites une maille serrée, donc la première. Ici, alors, hop, une diminution. Voilà. Une maille serrée. Et là, on va faire 2 diminutions à la suite. Donc, une diminution. Encore
une diminution. Voilà. Une maille serrée. Et là, on va finir par les diminutions. Donc, une diminution. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Donc, ça vous fera trois diminutions à la suite. Voilà. Ça commence à être un tout petit trou pincé. À bien rembourrer le ventre. Après, vous pourrez, quand vous avez fini de bien rembourrer, ce que j'ai fait, vous allez faire, excusez-moi, mais il glisse, hein, vous allez faire une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Jusqu'à finir le tout petit rang minuscule. Hein, et après, on commence la tête. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Alors, la suite, je voulais préparer un tableau parce que ce sera quand même plus facile et moins fastidieux. Parce qu'au niveau vidéo, ça va être redondant. Bon, ce sera un peu ennuyeux. Donc là, vous voyez, on a le trou pour commencer la tête. On a 6 mailles serrées. C'est ce qu'il fallait pour avoir, voilà, la forme d'une tête assez jolie. À partir de là, donc on a 6 mailles serrées. Ah oui, j'allais oublier. Vous avez le choix ici d'incorporer une tige d'aluminium pour que la tête soit plus raide. Ou sinon, il faudra bien rembourrer, c'est tout, au niveau du petit coup ici, hein, qui se fera. Voilà. Ça, je vous laisse le choix. Donc, on est à 6 mailles serrées. Le rang suivant, là, qu'on va tous faire, hein, ça va être une augmentation dans chaque maille. Ensuite, une maille serrée, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Vous savez, voilà, pourquoi je ne fais pas la vidéo, parce que ben, c'est assez routinier. Puis, vous savez le faire. Hein. Et on va continuer comme ça jusqu'à 6 mailles serrées et une augmentation. Quand on est arrivé à 6 mailles serrées, une augmentation, on va faire 9 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. C'est-à-dire que là, on va monter. Là, on élargit et là, on va monter. Et après, on fera les diminutions. Hein? Donc, moi, je vais faire ça en même temps que vous. Je vous ferai voir de temps en temps un peu le résultat. Mais en fait, voilà, on va élargir et après, on va monter. Hein? Comme une tête normale, une boule. Allez, vous me notez tout ça sur une feuille. Et on va faire ça, voilà. Donc, là, on a fait donc la hauteur. Vous voyez ce que ça donne. Bien sûr, on va rembourrer. Là, vous avez donc le petit trou qui correspond au petit coup. Donc, soit vous laissez parce que vous avez envie que ce soit souple. Sinon, vous prenez une tige, donc un fil d'aluminium plus ou moins épais que vous torsadez, que vous tournez sur lui-même, et le but, ça va être de le rentrer donc dans la partie du corps, voilà, et de l'enfoncer, on va dire, le plus possible, pas trop, vous voyez, une partie, et dans la tête. Et ça va en fait solidifier, là on va remettre du rembourrage, et ça va solidifier la tête. Donc je mets de la ouate. Donc vous voyez, j'ai mis de la ouate tout autour. Vous voyez, j'ai la ferraille, elle est juste là. J'ai mis tout autour. J'en ai bien mis ici, pile, la partie un tout petit peu resserrée. Hein. Et quand on va remplir la tête, eh bien, du coup, voilà, la tête sera pas pendante partout. Mais après, à vous de voir. Hein. Au niveau du rang, maintenant qu'on a fait toute la partie droite, maintenant on va rétrécir pour faire l'arrondi. Donc on va faire les diminutions. Alors, les diminutions fonctionnent exactement comme les augmentations. On a fait 6 mailles serrées et une augmentation. Hein, le dernier rang qui était vers ici. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées.
Donc 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. C'est le même principe, mais au lieu de faire une augmentation, on va faire une diminution. Donc on va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous note ça sur le tableau, parce que vous voyez, le principe va être toujours le même. Et on se retrouvera quasiment à la fin de la tête pour la fermer et que le soie étanche. Allez, voilà, je fais mon tableau. Je vais préparer donc l'écriture. Donc là, on est en train de faire les 6 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, 4, 3, 2, 1. Et le trou sera tout petit. Et on le clôturera définitivement. On fait ça. Ben, on se retrouve après, hein, parce qu'on n'a pas encore fini, les filles. Hein. Et oui. Allez, voilà. C'est parti. Votre tête, elle est finie. On a bien, bien rembourré. N'hésitez pas, hein, pour que le soie bien, bien ronde. Et après, on la module un petit peu. Pour fermer, vous avez fait une maille coulée, un nœud. Et maintenant, alors, c'est pas évident parce que j'ai le corps qui est tout droit. En fait, on rentre d'un côté. Voilà. En fait, on zigzague dans les mailles, vous voyez, ici, pour pouvoir après tirer et que le trou se referme quand on tire sur le fil. Hop. Donc, en fait, on rentre, on sort. Après, on peut faire un peu plus rapide en faisant rentrer et sortir de l'autre côté. Rentrer et sortir de l'autre maille. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment de zigzaguer. Et quand on va serrer, voilà, on peut faire plusieurs tours hein, au cas où. Voilà. Et là, en fait, maintenant, on tire. Et vous voyez, le petit trou, il s'en va. Donc là, par contre, on va bien clôturer. Voilà. En faisant. Donc, on tire bien fort. Et on va faire un premier nœud. Voilà. Hein? Là, il ne faut surtout pas que ça s'ouvre, hein, mesdames. Surtout, surtout pas. Voilà. Et là, on fait même un double nœud. Et après, on va cacher notre fil. Voilà. Ici. Et notre fil. Voilà. Et on le rentre, on le sort de l'autre côté. Et on coupe un à ras. Voilà. Et après, le petit fil, on le rentre. Et voilà. Donc là, on a fini notre tête. Voilà. On enlève les petits trucs blancs éventuellement qu'on a vu. Et voilà. Donc là, ça nous évite d'avoir à coudre la tête au niveau du cou. Et là, ça fait un petit coup voilà, assez sympa. Et vous voyez qu'avec la tige qui est au milieu, elle tient. Ça reste bien droit. Hein? Vous voyez? Allez, pour réaliser le bras. Alors, j'ai pris la technique la plus simple, hein, c'est faire un rond et on monte tout droit. Il n'y a pas de pouce, il y a... Voilà. J'ai mis un tout petit peu, vous voyez ici, voilà, un petit peu de ouate au bout pour que quand on va l'accrocher, vous voyez, ça fasse quand même un petit peu d'épaisseur, mais pas beaucoup. Hein, et vous gardez un long fil pour coudre sur le corps, ça malheureusement, hein, faut bien l'accrocher. Donc pour faire le bras, vous allez voir en 2 secondes, vous allez le faire. On part sur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on serre un petit peu, on va dans la première maille, et là on va faire augmentation dans chaque maille.
Donc, une, deux. Où est mon marqueur? Il y a. Donc, on met le marqueur à la première maille. Hein. Hop. Et on fait les augmentations dans chaque maille. Une et deux. Ce qui vous fera à la fin du rang 12. Comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Hop. J'en ai bien fait deux là, oui. Allez, hop. Et quand vous aurez fait donc les 12 mailles, eh bien, ce qui va suivre va être d'une simplicité absolue. C'est-à-dire, alors là, vous fermez bien votre... voilà, le centre. Et là, en fait, on va faire que monter. Vous avez vu comment c'est compliqué? Donc ça, c'est la base, vous voyez. Et maintenant, on fait que monter. Donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez faire 16 rangs. Vous pouvez le faire le plus long, si vous avez envie. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir des bras plus longs. Voilà. Ça, c'est un peu la base. Hein. Voilà, 16 ans. Vous voyez, il arrive ici. Mais vous pouvez le faire largement plus long, comme vous avez envie. Hein? Allez, c'est parti pour faire les 16 rangs. On se retrouve. Pensez à me laisser du fil au bout pour le coudre. Hein? Voilà. Allez, et après, on va passer à la couture et puis à la suite, à la maintenant, suite. Hein? Nous allons faire les cheveux. Donc, vous allez faire un cercle magique. Hein? De là, vous allez faire 25 mailles en l'air. Et on va faire quelques mèches. Hein? Ainsi. La première maille. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Il y en a qui font des mailles coulées. Donc vous pouvez faire soit une maille coulée dans chaque maille ou une maille serrée comme moi dans chaque maille. La mèche sera un peu plus épaisse. Hein? Et pour certaines, faire une maille serrée est plus facile que faire des mailles coulées. Mais vous avez le choix. Faites comme vous avez envie. Donc, on fait tout le long et on se retrouve à la maille chaînette. Au cercle magique. Oh, pardon. Voilà, vous avez fini le retour. Maintenant, vous êtes toujours sur le cercle magique. Et là, on recommence. On re-rentre. Et on fait... alors là, on fait une maille serrée pour que ça tienne bien. Et là, on repart sur 25 mailles en l'air. Et on refait le retour. Et ainsi de suite. Voilà, on en a 3. Et à partir du moment où vous avez le nombre de mèches que vous avez envie, vous pouvez en faire plus, hein, si vous voulez. Vous finissez donc là par une maille serrée pour clôturer. Et ensuite... hop, tout simplement une maille coulée, on fait une dernière boucle, là on ferme, alors je vous ai dit des bêtises, ici donc vous avez fait votre maille serrée, je vous dis des bêtises, et vous allez faire ici une maille coulée dans la mèche, dans la première mèche, hein, voilà. Et là, vous faites la boucle et après vous coupez le fil. Alors, vous laissez un petit peu ici du fil pour pouvoir accrocher les mèches sur le crâne. Voilà. Vous en laissez un tout petit peu et voilà. Après, on tire. Hein. Et on clôture. Voilà. Celui-ci, ben, vous le coupez, vous le rangez. Et ça, on va s'en servir pour mettre voilà. Sur la tête. Les 3 petites mèches sont faites. Hein. Maintenant, on fait la suite. Allez, c'est parti pour faire le gilet. On va faire ça en top-down. Donc, on s'en va sur... alors, attention, la taille peut varier en fonction du fil que vous utilisez. On est bien d'accord, hein. Voilà.
S'il est plus gros, vous en aurez besoin de moins. S'il est plus fin, vous aurez besoin d'un peu plus de maille. Attention. Donc, testez après sur la poupée. Hein. Donc, moi, je vais faire 37 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Ensuite, vous rajoutez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on pique dans la cinquième maille et on fait une bride. Donc là, ça nous en fait deux brides. Là, on va faire 5 brides au total. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on refait une bride. Et là, on s'en va pour en faire 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on repart et on en fait 9 encore. Allez, et on se retrouve à la fin des 9. On refait nos 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on repart sur 9 brides. C'est parti. On fait encore les 2 mailles en l'air. Et là, on finit. Et normalement, si tout va bien, hop, et B. Voilà. Si tout va bien, je disais, on finit avec 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, donc, on a créé le futur gilet hein, qui va se plier, voilà, au fur et à mesure. Allez, on continue. Donc, pour les rangs suivants, on fait 3 mailles en l'air, on tourne et on va faire une bride dans chaque maille. Et surtout, ce qui est important, c'est quand on arrive aux angles. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Quand on arrive à l'angle, en fin de compte, on continue l'angle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on fait une bride, 2 mailles en l'air, et on refait une bride. Ça, c'est pour tous les angles. Et après, on refait une bride dans chaque maille. Voilà. Allez, c'est voilà. Parti. On a avancé dans le gilet, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. Arrivé à 4 rangs, je répète, ça dépend de la taille du fil. Hein. Attention, hein. Voilà. Quand on arrive à 4 rangs, on va fermer le gilet, voilà, hein, pour faire du coup les bras.
Pour fermer, alors, il n'y a pas plus facile, donc bien sûr, vous faites votre partie là. Quand on arrive à l'angle, on réunit le deuxième. Et en fin de compte, on va piquer dans les deux en même temps. On prépare sa bride. Vous voyez, je rentre dans le premier angle et je rentre dans le deuxième. Voilà. Et là, je vais faire une bride. Et là, vous voyez, j'ai fermé et j'ai créé le trou pour le bras. Là, maintenant, je tourne et je vais faire la partie du dos. Voilà, comme si de rien n'était. On fait la longueur et on va refaire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve pour faire le deuxième. Voilà, on est arrivé donc à l'angle, on fait pareil. Cette partie-là, on ferme. Attention de fermer du bon côté, hein. Regardez, hein, que ce soit identique. Hein. On rentre dans le premier. Ici, donc le deuxième. Hop. Une bride. On tourne et on fait la partie du devant, tout simplement. Voilà. Et là, on a formé donc le gilet au niveau col, bras. Et après, on va faire donc la partie du corps, hein, si on peut dire. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Bon, ça c'est le petit fil, mais vous voyez, voilà, on a créé un petit gilet, les bras, et voilà. Après, hein, on fera les bordures et tout. Voilà, déjà cette partie-là. Donc là, maintenant, vous voyez, on a cette partie-là. On va maintenant rallonger, hein. Et là, tout simplement, on va suivre ici les brides. Il n'y a plus d'angle. Donc là, hop, vous voyez, on va passer d'une maille à une autre et ainsi de suite. Voilà. Et là, on va faire une bride dans chaque maille et on va faire les rangs. Alors, vous pouvez le faire plus court que moi, plus long que moi, c'est à vous de voir. Hein. Allez, je vous fais voir le final. Et c'est parti. Bon, voilà, j'ai fait ma longueur que je voulais, donc je vous ai mis un marqueur. C'est-à-dire le rang où on a fermé, je le compte, hein, voilà, le rang où on a fermé. Donc j'ai fait 5 rangs pour faire la partie du corps. Donc après, vous voyez si vous avez envie de faire un peu plus long. Hein. Donc maintenant, on va peaufiner notre super méga gilet. En fait, on va faire un rebord. Voilà, moi j'ai changé de couleur. Vous pouvez rester avec la même couleur ou pas, hein, à vous de voir. Et là, maintenant, on va faire tout simplement donc un rebord. Voilà. Et en fait, ici dans les espaces, on va faire une maille serrée dans chaque espace. Voilà. Même quand c'est des tout petits, hop. Voilà. Bon, après, ça s'ajustera, vous inquiétez pas. Donc, une maille serrée dans chaque espace. Alors, si votre fil est un peu plus fin, peut-être qu'il en faudra deux. Il faut que votre gilet reste droit, n'ondule pas et ne soit pas tiré. Hein. Voilà. Donc, on fait ça tout le long. Hop. Voilà. Quand on arrive à l'angle ici, on a en fait 3 mailles serrées pour tourner, voilà, et se retrouver sur l'autre partie.
Donc dans les angles, vous en faites 3. Voilà. Sauf là, vous continuez, hein, juste la maille. Hein. Voilà. Mais c'est juste cela là. Et quand vous êtes dans les angles en bas. Allez, c'est parti. Vous faites tout le tour et on se retrouve voilà, à la quand fin. Votre gilet est fini, vous trouvez un bouton pour relier les deux angles. Vous voyez ici, en dessous. Voilà. Et pour accrocher le gilet. On voit le bidou, c'est parfait. Voilà, donc quelque chose de très coloré, n'hésitez pas, hein, c'est pour une poupée, mais faites aussi avec vos goûts. Voilà. Maintenant, cette partie est finie, on va s'attaquer au visage. C'est le plus court à faire, mais des fois c'est le moins facile. Voilà, maintenant on va faire les yeux. Donc vous voyez, j'en ai fait un pour que vous voyez le style que c'est. Et on va faire le deuxième. Ici, au niveau de la séparation, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Et au sixième, j'ai mis ma petite épingle. Donc vous avez, vous voyez, 6 petits espaces qui séparent les yeux. Allez, c'est parti. Alors, je vous avertis, quand moi je fais les yeux, je bouge la poupée dans tous les sens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, en fait, on pique derrière, hein, voilà, dans une maille, et on ressort là où on a mis notre épingle. Voilà, hop. Et on ressort. Youp. Voilà. On laisse une marge derrière, hein, voilà, et là en fait on va jongler avec 4 espaces en fait ici, voilà. Donc je vais au petit trou qui a juste en dessous et celui qui est à côté, et en fait je vais jongler avec ces 4 trous tout simplement. Vous voyez, un là, celui qui est en dessous. Et on ressort, ben, un coup en haut, un coup en bas, hop. Alors là, ça on le fera plus tard, je vous le montrerai, voilà. Donc là, ben, on est ici, je viens là, je ressors à l'autre. En fait, on fait en sorte de remplir tout simplement l'espace, hein, pour qu'il y ait un rond tout simplement noir, hein, voilà. Hop. Voilà, donc quand c'est suffisamment un peu noir, après il faut que vous voyez sur les côtés ce soit un peu arrondi. Pour arrondir, en fait, c'est tout simple. Ici, vous voyez, on veut mettre son fil. Alors, attendez, je zoome un peu. Voilà. On veut mettre son fil ici, que ça fasse un arrondi ici. Donc, là, je vais... Alors, on est là. Hop, voilà. Je rentre là. Je ressors ici, mais je mets mon fil sous mon aiguille. Je tire et en fin de compte, vous voyez, ça va arrondir là où je suis, tout simplement. Voilà. Après, de là, on regarde un petit peu où en est notre œil. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. On regarde que ce soit l'équivalent de l'autre. Et si on est satisfait, bah, éventuellement, je pique un et je ressors au même trou que là où je suis rentrée. Le même. Hein. Voilà. Alors, on fait toujours attention. Voilà. Pas trop serré. Vous voyez? Ah. Et ici, pour pas qu'on voit ni le trou... ni le fil noir, enfin qu'on voit rien du tout. Tout simplement, je fais
mon nœud. Voilà. Hop. Je reprends mon aiguille. Là où il y a mon nœud, ici, je re-rentre dans le même espace. Je ressors n'importe où, ailleurs. Voilà. Et en fin de compte, alors, hop, voilà. Ma boucle, regardez, je rentre, mais en même temps, voilà, j'ai rentré mon nœud dans la tête. Et à partir de là, on coupe à ras le fil. Et après, on rentre, tout simplement. Vous voyez ? Et on ne voit plus rien. Et on a fait nos yeux. Les yeux les plus simples, vous pouvez en faire des plus compliqués. Hein, voilà. Et après, on va faire... on peut faire voilà, un petit nez et une bouche ou une bouche tout seul. Voilà. On va pour continuer. Faire le nez, je prends la même couleur que le corps, hein, forcément. Vous n'êtes pas obligé de faire un nez, hein, mais bon. Donc là, c'est le même principe que pour les yeux. Hein. On rentre quelque part. Voilà. Et au niveau du nez, ben, il faut bien bien l'équilibrer. C'est-à-dire que, par exemple, on met des petites épingles pour prendre le repère. C'est-à-dire qu'on va jouer sur trois, en fait, trois trous. Donc, admettons, un là. Là, il y a l'espace, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un deuxième, ce sera l'espace, et ici. Voilà. Donc, admettons, vous voyez, c'est pas équilibré entre les yeux. Hop. Voilà. Si je me décale un chouïa. Voilà. Ça peut éventuellement le faire par rapport à ici. D'accord ? Donc, là, ben, je ressors là où j'ai mis mon épingle. Là, je vais rentrer à la deuxième et je ressors, hop, et je vais ressortir là où je suis rentrée, hop. Tout simplement, parce que le but c'est de faire des allers-retours pour faire le nez. Voilà. Donc le nez n'est pas obligé d'être très gros. Hein. Et là on recommence, on fait aller-retour toujours au même endroit jusqu'à avoir une épaisseur de nez qui nous plaît, pas trop gros, pas trop petit. Vous voyez qu'on voit le petit bout. Hein. Donc plus vous le ferez épais, plus il sera en relief et plus éventuellement il se verra. Hein. Mais ça voilà, c'est un petit peu au goût de chacun. Et c'est tout simplement comme ça qu'on fait un nez. Vous voyez, j'ai rajouté et le nez devient un peu plus gros. Et là, moi il me satisfait. Voilà. Donc du coup... Ce que je vais faire maintenant, c'est voilà, re-rentrer là où j'étais pour ressortir, par contre, là où je suis rentrée à l'origine. Voilà. Je suis rentrée dans le fil. Hop. Voilà. Voilà, il est tout beau. Et donc là, on fait le petit nœud, toujours dans le même principe que je vous ai fait voir pour les yeux. Pour la bouche, c'est le même principe. Grande ou toute petite, hein, à vous de voir. Là, je rentre ici. Voilà. Hop. Par contre, je vais essayer de ressortir, vous voyez, au milieu de la bouche et un peu en bas. Donc là, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Voilà, on va essayer donc de ressortir un petit peu en bas. Voilà.
il y a le fil qui est en dessous, vous voyez. Voilà, on voit si c'est à peu près centré. Voilà, il y a un tout petit décalage, c'est normal, c'est par rapport au rang. Hop, vous voyez, on essaye d'ajuster au niveau des fils. Voilà. Si on n'a pas bien fait notre centre, ben on refait, hein, c'est pas un problème. Hein, voilà. Donc moi, c'est pas tout à fait centré, donc je vais le refaire. Il suffit tout simplement, vous voyez. Hop. On enlève l'aiguille. Hein, et on recommence. Hein, voilà. Donc vous connaissez le principe, vous le refaites et on fait bien centré au milieu. Voilà, allez, go. Vous avez la bouche qui est faite, c'est-à-dire que quand vous avez fait, vous repiquez dans le même trou, quand vous avez ici, et on ressort de l'autre côté. Voilà, et après on ajuste un petit peu au niveau, voilà, des fils, de... le but c'est d'avoir le sourire. Alors il peut partir un peu en biais, un petit sourire en coin, il peut être droit si vous voulez. Voilà, il peut être vraiment comme vous avez envie. Voilà. Donc, petit nez, tout ça. Ben, écoutez, je crois que on est bon. Hein, on arrange un petit peu la grande chevelure. Hein. Voilà, mesdames. Voilà. Il est fini. Tout mimi, tout dodu, un peu rigolo. Hein, voilà. Ben, écoutez, j'espère... que vous avez aimé, n'hésitez pas à envoyer pour l'association. Et puis, merci toujours hein, de votre solidarité, de votre soutien, de me suivre aussi. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, parce que franchement, j'ai bien envie de voir leur petite tête. Hein. Et je vous remercie toujours et encore. Donc, je vous dis à très vite. Sur Lilou Crochette, à bientôt.